Bon, dis donc, prends. Oui. Tu seras gentil de transmettre l'affaire Casani à Bourdet. Ah, c'est les mœurs qui s'en occupent? Oui, c'est les mœurs. Une sombre histoire de mineurs. Enfin, bref, ils attendent nos conclusions, quoi. Eh ben, on peut dire qu'on n'est pas débordé en ce moment. Hein? Tu pouvais pas te taire, toi, animal. Hein? Allô, commissaire Gracieux. Allô, ah, c'est vous, commissaire Gracieux? Oui, lui-même. C'est toi, Polo. Oh, un bon point pour vous, commissaire. Christophe est mort de sa belle mort. Ah, je tenais à vous le signaler. Allô? Allô? Il a raccroché. Christophe est mort. Ah oui? Ah oui. Bah, évidemment, ça, Christophe, ça ne te dit pas grand-chose, bon. Mais ce gaillard-là, c'est la bête noire de la maison depuis 1925. Un maître, un génie. Malfaisant comme pas permis, mais la loi, c'est la loi, hein? Impossible de lui mettre quoi que ce soit sur le dos. Oh, à ce point-là? À ce point-là. Une façade honnête a découragé un contrôleur des contributions. On sait bien ce qu'il dirigeait sous le couvert. Les jeux clandestins, les paris, les filles, peut-être bien un petit peu aussi la chenouf. Tout lui était bon. Et avec ça, un père de famille, modèle, payant régulièrement ses impôts. Ouais, mais c'était un vieux. Il était sûrement plus en activité. Bon, à 60 ans. Ces gars-là sont beaucoup plus futés qu'une douzaine de faux pois qui font de l'esbrouf. Christophe s'habillait chez le bon faiseur, se chaussait de même, et portait des chemises de soie faites sur mesure. Eh oui. Puis enfin, tiens-toi bien, Christophe habitait un somptueux hôtel particulier à Neuilly. Mais il a débuté comment, cet affreux? Il a débuté en artiste. C'est lui qui a inventé le coup du policier privé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Voilà. Il se présentait à une vendeuse de grande bijouterie. Il avait le soin de la choisir passablement idiote. Enfin, idiote, disons, peu averti. Il se faisait passer pour un détective privé engagé par le patron afin de surveiller la bijouterie. Et la pauvre fille se laissait prendre à son bagout et lui permettait de se laisser enfermer dans la boutique à l'insu de tout le monde. Ben oui, de sorte qu'il n'avait plus qu'à faire son fric-frac en toute tranquillité et s'en aller. Et c'est tout juste, voilà, il a fait le coup 6 ou 7 fois. Oui, mais pourtant, et son signalement... Mais son signalement, c'était jamais le même. Il arrivait à truquer sa voix, mon vieux. Mais je te dis, c'est un artiste. Nous n'avons jamais pu retrouver un bijou et Christophe est parti la veille de la déclaration de la guerre. Il a fait énormément d'argent en Amérique du Sud, il est rentré en 47. Alors, depuis... C'était le caïd. Tout en finesse. Jamais d'effusion de sang. Pas d'armes. Enfin, de toute façon, il est mort. Eh oui. La mort ne respecte rien, pas même à Christophe. Ah bon. Allô, Gracieux à l'appareil. C'est encore moi, commissaire. Mais ben, te fatigue pas, Polo, je t'ai reconnu. Laisse-moi te dire que la prochaine fois que tu me raccroches au nez, je m'arrangerai pour te tirer les oreilles. Non, mais j'avais pas beaucoup de temps tout à l'heure. Comment t'avais pas beaucoup de temps? Et alors? L'enterrement. Et alors? L'enterrement est fixé à mercredi. Parce que je vous disais ça au cas où vous auriez envie d'assister à la cérémonie. La cérémonie à l'église? Ah bah oui, Christophe est mort pieusement, monsieur le commissaire. Non. Si. Alors, j'ai pensé, je serai vous, je viendrai discrètement prendre la température. Hein? D'ailleurs, vous connaissez tout le monde. Et puis, on aura peut-être le temps de se dire un petit mot, hein? Ah, oui, après tout, t'as sans doute raison. Eh ben, je te verrai mercredi à la sortie de l'église, Polo. Prompte, tu m'accompagneras. Bon, quel intérêt, commissaire. Il est toujours intéressant de voir comment vivent ces gens-là. N'oublie pas que tout l'état-major de Christophe sera là. Bon, ben entendu, commissaire. Oh, et puis ça nous changera les idées. Choses. Oui, ça pour un bel enterrement. C'est un bel enterrement. Et les fleurs, vous avez vu? En couronne, il y a au moins de quoi nous payer tous les deux pendant un an. Vous connaissez tout le monde ici? Oh oui, presque. Tiens. Il y a un poulot qui vient de nous apercevoir en s'entournant.
Il avait de la famille, le nommé Christophe. Non, non, plus personne. D'ailleurs, regarde du côté de ces messieurs de la famille. Le petit trapu. Oui, on dirait un industriel. C'est Max la Paluche. Il ne sert la main que pour vous condamner à mort. C'est pourquoi on l'appelle la Paluche. À côté de lui, c'est Bob le baratineur. De son vrai nom, Robert Doucement. Puis à côté, c'est Roger la Couture. Un ancien tailleur? Mais non, c'est pas un ancien tailleur, idiot. Roger s'est fait ouvrir la joue quand il était gosse par un affreux de son quartier. Alors on l'a appelé la Couture depuis. Mmh. Et les femmes, là-bas? Là-bas, les femmes, il y a Fiamma, la brune, au premier rang. Mmh. C'est la régulière de Max. Je sais même pas s'ils sont pas mariés, les gars. Puis à côté d'elle, c'est Yolande, l'amie de Bob le baratineur. Et Madame la Couture, laquelle? Roger n'aime pas les dames. Madame la Couture n'a jamais existé. Alors, commissaire, on jette un coup d'œil? Ah, te voilà, toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir? Vidon, la science s'est déplacée en personne, ça veut dire quelque chose, non? Qui c'est ça, Vidon, la science? Maître Vidoban, le notaire de Christophe. Un fortiche. Pourquoi, le partage est déjà fait? Ah, avouez que je suis un bon indique, hein, commissaire. Oui, bon, allez. Eh ben oui, le partage est fait. Parce qu'il faut jamais laisser aller les affaires à volo. C'est un principe. Alors, c'est Max qui reprend les paris et les jeux, les cercles, et Bob. Bob, oui. Les appareils à son, les cigarettes, les photos spéciales et les trois boîtes de nuit de Christophe. L'œil à la serrure, Milady et le Sing Sing. Ah ben, vous êtes bien renseigné comme si ça. Eh oui, c'est un petit peu le métier qui veut ça, mon vieux. Ah ben, bien sûr, hein. Bon, et toi, Polo? Moi? Oui, toi. Tu faisais bien partie de la bande, Christophe? Hein? Bah. En dehors du fait que tu nous apportes parfois ton concours intéressé. Bon, moi, je suis un tout petit commissaire. Je fais pas le poids, comme ils disent entre eux. D'ailleurs, ils me méprisent. Oui. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que Christophe a été royal à mon égard. Explique-moi un peu ça, toi. J'ai touché 100 000 francs, d'un coup. 10 millions d'anciens francs? Oui. On fiche, toi. Aussi, moi, je m'en vais me la couler douce pendant un bon petit moment, commissaire. Mm-hmm. Et Roger? Roger? Oui. Qu'est-ce qu'il a touché, lui? Roger? Il a hérité des filles. Non. Je crois que c'est une dernière vacherie du vieux. Il pouvait pas le sentir. Christophe, il a jamais pu blairer les anormaux. Je comprends. Oui, ouais. Tu ferais quand même bien de me communiquer les adresses des clandés, hein? Commissaire? Je suis un informateur, je suis pas un donneur. Ah, ouais. Eh ben, on en causera, mon petit vieux, hein? On en causera. Ouais. Bon, dis donc, Polo, qu'est-ce que c'est que toute cette piétaille-là derrière les chefs? Vous n'avez qu'à regarder les inscriptions sur les couronnes. Faut reconnaître qu'ils ont fait les choses royalement, hein? Oui. Rien que du premier choix, de la rose baccarat, de l'orchidée de serre, y en a pour une pincée, hein? Qu'est-ce que c'est que cette couronne? Laquelle? Avec les anciens boulistes d'Aven sur Elbe. Ah, c'est l'équipe chargée de la contrebande avec la Belgique. Hein? Oui, tabac, bras de soie, du bricole, mais des gens consciencieux. Puis alors, sympa. Et l'école des sténographes modernes. Ah oui, bah c'est les demoiselles du quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beau surveiller les trottoirs, ça n'empêche rien, vous savez. Oui, écoute, alors, pense où tu veux. Faut que tout le monde vive. Chut, tais-toi. Est-ce que c'est la société idéale hippique? Le bouc. Le personnel de la société Christophe et compagnie. Personnel des trois boîtes de nuit. La cérémonie se termine. Ah bon, alors, je me tire, hein, commissaire. Je vais prendre mes vacances. C'est ça. Ciao. Ouais. Ciao. Bon, alors, restons derrière ce pilier pendant qu'ils sortent. D'accord. Christophe est heureux, Fiamma. On rentre tout de suite à la maison, Bob. Moi, je rentre me changer.
Toi, Yolande, tu vas donner un coup de main à Fiamma pour la réception de ce soir au Sing Sing. Bah... Ouais, c'est d'accord avec Max. Oh, bah, j'aurais bien voulu me changer, moi aussi. De quoi? Oh, bon, ça va, j'y vais. Bon. Dis donc, Bob. Ouais. Faudra trouver un moment pour mettre certaines choses au point avec Max. Ben, c'est prévu, Roger. Il y aura conférence dans le bureau de Max au Sing Sing. Ah. Alors, tu viens tout de suite? Ah non, je vais me changer. Puis toutes ces bonnes femmes qui racontent leur vie, ça m'agace. Oh, bien sûr, je te comprends. Bon, allez, assois. Sinon, ouais, t'as fait ce qu'il fallait pour le service religieux. J'ai payé cash, Max. Et en liquide encore. Eh ah ben, c'est bien normal. Ouais. Tout à l'heure. Ouais. T'as entendu, comte? Ah, comme vous, patron. On dirait d'inoffensif bourgeois. Hein? Oui. Ouais, bien, on rentre. Je réponds, commissaire. Oui, vas-y. Bureau du commissaire Gracieux, j'écoute. Oui? Ah bon, attendez, je note. En joaillerie, Ardès. Un cambriolage important. Pas d'effraction. Environ 1 million de bijoux. En nouveau franc? Bon, c'est bon, touchez à rien. Le commissaire Gracieux arrive tout de suite. Alors? C'est Ardès, le directeur, qui vient d'appeler. Un fric-frac chez lui, 100 millions de bijoux envolés, pas d'effraction. Bon, alors, préviens la permanence et demande ma voiture. Hein. Je te retrouve en bas. Ouais, d'accord. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Je voudrais voir monsieur Ardès. Je suis le commissaire Gracieux de la PJ. Ah, le commissaire. Oui. Monsieur Ardès est dans son bureau. Il vous attend si vous voulez me suivre. Bon, merci. Oui. Mets un agent devant la porte et disperse-moi ces curieux. Hein. Pas de journaliste jusqu'à nouvel ordre. Ou alors à mon bureau. D'accord. Ah, commissaire Gracieux. Je vous attendais, commissaire. Entrez, venez-vous. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Ardès. Socrate Ardès. Ah, grec. Oui, en réalité, mon vrai nom est Arpilomides. Oui, ça, c'est pas très commercial. Très juste. Bon, ben, je vous écoute, monsieur Ardès. J'ai constaté en ouvrant le magasin ce matin que toutes mes pièces de valeur avaient été volées dans la nuit. Le système d'alarme n'a pas fonctionné et je n'ai relevé aucune trace d'effraction. C'est un mystère complet, commissaire. Vous avez la description des bijoux volés? Ah, bien sûr. Vous êtes assuré? Évidemment. Eh ben, alors, il y a moindre mal. Mais, commissaire, c'est ma réputation qui est en jeu. Ah. Mais j'avais ici des pièces en garde et d'autres pour des retailles. Et puis, la clientèle est susceptible. Elle perd sa confiance si elle croit que l'on peut entrer chez Ardès comme dans un moulin. Ah, c'est peut-être moins simple que ça, monsieur Ardès. Et que voulez-vous dire, commissaire? Oh, je rien d'autre pour l'instant. Oui. Excusez-moi. Oui. Oh, oui, commissaire. Encore que je n'y crois pas beaucoup, fais-moi relever toutes les empreintes du magasin. Monsieur Ardès, vous portez plainte contre X. Ah oui, X, Y ou Z, tout le monde, je porte plainte. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, vous serez aimable de passer à mon bureau faire votre déclaration. Oui, et c'est tout. Ah non, non, c'est pas tout. Non. Vous m'adresserez une copie de votre police d'assurance. Et la nomenclature détaillée de tout ce qui vous a été volé. Voilà, je vais donner des ordres en conséquence. Oui. Vous ne pensez pas que les gangsters vont essayer d'entrer en relation avec moi pour me restituer les bijoux moyennant une grosse somme? On vous a volé des pièces de collection? Non. Bon, bah alors personne ne prendra contact. Si nous n'opérons pas rapidement, les bijoux seront démontés, retaillés et écoulés le plus normalement du monde dans les 6 mois à venir, monsieur. Alors, les gangsters vont perdre au moins 75% de la valeur des bijoux. Eh ben, dites donc, 25 millions, c'est quand même une bonne opération, non? Oui. Hein? Bon, je m'en remets complètement à vous, commissaire. J'avoue que je ne comprends pas. J'ai un système d'alarme perfectionné. Mes coffres sont d'anciens modèles, mais à toute épreuve. D'ailleurs, ils n'ont pas été forcés. Bon, votre magasin n'a qu'une seule entrée? Non. La porte de l'arrière-boutique donne dans le couloir de l'immeuble d'à côté. Mais le système d'alarme... n'a pas fonctionné, je sais. Voilà. Je sais, monsieur Ardès, je sais. Oui, bah, à cela, je ne vois qu'une réponse. Ah oui?
Enfin, ou plutôt, j'en vois deux. Alors, dites-moi, je vous prie. Une complicité intérieure. Mais c'est fou, ça. Mais Mademoiselle Marceline, ma vendeuse, est au-dessus de tous les soupçons. Ah oui, ça... Bien sûr, elle n'est pas très intelligente, mais c'est une excellente vendeuse et qui est très attachée au magasin. Eh bien, alors, la deuxième solution, c'est que vous vous êtes volé pour toucher l'assurance. Commissaire, mais vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Ah, trouvez-moi une autre explication. Je suis anéanti, commissaire. Vraiment, monsieur Ardès. Allons, ne vous tourmentez pas trop. Nous allons quand même essayer de faire la lumière sur tout ceci. Hein? Bon, je vous attends à mon bureau demain matin. Eh bien, alors, à demain, commissaire. Mademoiselle Marceline. Oui, monsieur le commissaire. Mademoiselle Marceline, mon petit, vous serez gentil d'accompagner monsieur Ardès à la PJ demain matin. Hein? À la police judiciaire. Vous n'avez pas peur, non? Mais non, monsieur le commissaire. Ben voilà, c'est parfait. Ouais. Nous en profiterons pour causer tous les deux, bien gentiment. Voilà. Certainement, monsieur le commissaire. C'est ça. Bon. Tu viens, bon. Voilà, commissaire. Donc, elle est bègue, la petite, ou quoi? Non, elle est émue. On rentre à la maison? Non, non, nous allons interviewer quelqu'un de très intéressant. Ah oui. Et qui ça? Maître Vidauban, notaire et exécuteur testamentaire de feu Marcel Christophe, décédé muni des derniers sacrements et enterré religieusement au cimetière de Pantin. Vous désirez, monsieur? Voir Maître Vidauban, commissaire gracieux de la PJ. Et c'est à quel sujet, commissaire? Ah, vous êtes Maître Vidauban. Nous serons plus à l'aise dans votre bureau pour en parler, maître. Ce monsieur vous accompagne, oh, pardon, sait? Pardon, inspecteur Pont, mon adjoint. C'est bon, si vous voulez me suivre. Merci. Asseyez-vous. Merci, pardon. Monsieur. Alors, que puis-je pour vous? Me communiquer la teneur exacte du testament de Marcel Christophe. Ah, mais... Et commissaire, de quel droit? Oh, il n'est pas question de droit, maître. Il s'agit de faciliter l'action de la police avant celle de la justice. Et je ne comprends pas, commissaire. Bon, note la conversation. Oui. Maître, votre client est mêlé à la pègre depuis de fort nombreuses années. Et si vous êtes le dépositaire des intérêts de Marcel Christophe, c'est que vous devez y trouver votre compte. Je ne vous permets pas... Allons donc. Maître, vous n'êtes pas en cause. D'accord, j'ai besoin de connaître les dispositions testamentaires de votre client. Oh, tempora humores. Faut que je note ça aussi, commissaire? Oui, tu notes tout, tu notes tout. Monsieur, votre attitude me peine. Car vous semblez mettre en doute mon honorabilité, en pensant qu'une certaine complicité me liait à Christophe. Messieurs, j'en atteste, je n'ai été que le dépositaire. En tant que notaire, je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé un client. Amicus Christophus, c'est de magis amica veritas. Je n'entends pas très bien le latin, maître. C'est dommage. Je disais que Christophe m'était cher, mais moins toutefois que la vérité. J'aime autant. Bon, alors, ce testament. Je vous demande quelques secondes. Voilà, nous y sommes. Voyons, le testament a été enregistré à mon étude il y a un mois environ. Marcel Christophe, saint de corps et d'esprit, etc., etc. Il n'avait pas de famille? Personne, non. Déclare par la présente faire les donations suivantes à monsieur Maxime Bonatti, la totalité des parts que je possède dans les différentes sociétés sous le contrôle du dit. À monsieur Robert Doucement, la direction et la propriété des établissements dits l'œil à la serrure, le Miladi et le Sing Sing, le tout en parfait état de fonctionnement. À monsieur Roger Bonnemain, la charge de président directeur général de l'école de sténodactylographie moderne. Vous voulez le détail de toutes les sociétés dont s'occupait monsieur Christophe? Non, poursuivez. À monsieur Paul Montoubert, la somme de 100 000 francs, représentant le solde de mon compte à la banque Schwartz, rue Pileville, pour service rendu. Post hoc, ergo propter hoc. J'ai recueilli les signatures des témoins et posé les scellés. Quelle est la forme du testament? Holographe. Et j'ai présenté ce dernier au président du tribunal de première instance. Le testament a été ouvert. Le président a adressé procès-verbal de présentation et a ordonné le dépôt du dit entre mes mains. Voilà. Bon, et d'après vous, tout est valable? Mais croyez-vous que je me serais prêté à une combinaison louche? Non. Je veux dire, maître, est-ce que les recevants ne sont pas juridiquement incapables? Que voulez-vous dire?
que les individus que vous trouvez nommés dans les dispositions testamentaires de Christophe ont tous un casier judiciaire. Un casier important. Aucun ne purge actuellement une peine de prison. Non, ça vous savez bien que non. Aucun n'a encouru de condamnation criminelle. Non. Aucune des personnes citées n'est donc frappée d'incapacité. Commissaire, je ne peux que vous répéter que tout est en règle. Des cujus successionnés agiturent, les dernières volontés du défunt ont été respectées. Mmh. Et le fisc ? Bah, le fisc, Monsieur Montaubert n'est pas mon client, il se débrouillera pour sa déclaration d'impôt. Pour les sociétés, hein, vous savez comme moi qu'il y a toujours des accommodements. C'est incroyable. Levius fit patientia, quid corrigere est nefas. La résignation allège tous les maux auxquels il n'est pas permis de remédier. Oui, mais seulement moi, je ne me résigne pas, maître. Il est possible que le testament soit valable, mais je vous garantis bien que Max, Bob, Roger et la clique ne s'en sortiront pas comme ça. L'un des trois est mêlé à un cambriolage dans une joaillerie et le vol se monte à près de 100 millions. C'est votre affaire, commissaire. Je ne me permettrai pas de vous donner le moindre conseil. Sapiens nihil affirmat quod non probet. Bon, pardon. La sagesse est de ne rien affirmer qu'on ne puisse prouver. Affirmat quod non probet. Quod non probet. Oui, bon, maître. Oui. Quand avez-vous eu un rapport quelconque avec tout ce joli monde? Eh bien, le temps de procéder à la régularisation des papiers. La dernière entrevue a eu lieu il y a 4 jours. Tous les signataires étaient présents. Comment ça? Ah oui, il faut 6 témoins pour un testament holographe. Voyons, on signait les susnommés et 2 clercs de mon étude. Vous n'avez vu personne depuis? Non. Qui s'est chargé des frais d'enterrement? Et ces messieurs ont partagé en 4. Sont compris les frais d'édification d'un mausolée au cimetière de Pantin. C'est l'étude qui s'occupe de cela. Un mausolée pour Christophe, alors ça c'est pas pensable. Oui, et pourtant... Maître, encore que je sois à peu près certain que vous êtes au courant des activités de cette bande de gangsters, je dis que vous êtes au courant, je tiens à préciser que toutes les sociétés énumérées sont peut-être parfaitement légales, mais servent de paravent à d'autres activités plus répréhensibles. Vous m'étonnez, commissaire. Je vous étonne peut-être. La société boulistique cache une bande de contrebandiers. L'école de sténodactylographie est en réalité une agence de call girl. Idéal hippique, un repère de bookmaker. J'en passe. Je m'étonne que vous ayez consenti à légaliser de telles choses. Devant des papiers en règle, je suis impuissant. Et la preuve n'est pas faite de ce que vous avancez. Et puis... Prait sua quanque voluptas. Je sais. Je sais, maître. Tous les goûts sont dans la nature. Je vous remercie de cet entretien. Je suis heureux si j'ai pu vous rendre quelques services. Vous le saurez dans peu de temps. Allez, prends, on s'en va. Alors, Pron, ça avance le rapport Vidogan? Oui. Ah ben ça, on peut dire que vous m'avez gâté. Pourquoi? Je n'ai jamais vu autant de citations dans un rapport. C'est à croire qu'il a appris par cœur toutes les pages roses du dictionnaire. Ah, Vidogan a appris beaucoup plus que ça. Et il connaît parfaitement le code civil, le code pénal, la fiscalité et bien d'autres choses encore. Il n'était pas pour rien le notaire de Christophe. Ah, je m'en doute. Mais je croyais que nous nous occupions seulement de l'affaire Ardès et que Christophe s'était classé, non? Verba volante, scripta manat. Oh non, pas vous, commissaire. Puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors par extension, soyons circonspects et consignons par écrit tout ce qui peut se rapporter à l'affaire. Moi, je ne serais pas du tout étonné que les 2 faits, primo, la mort de Christophe, secondo, le vol chez Ardès, soit relié par un seul et même fil conducteur. Voilà. Donc, en fait, il est arrivé, le camarade Arpilovides. Qui ça? Oui, enfin, Ardès et la vendeuse. Ah oui, ils sont là. Bon, parfait. Alors, tu prends Ardès dans ton bureau et enregistres sa plainte contre X. Hein? Eh ben. Mmh. Ah, hey, tu me feras photocopier la liste complète des bijoux volés. Hein? Oui. Et envoie-moi à Marceline, la vendeuse. Le commissaire Gracieux veut vous entendre, mademoiselle. Non, pas vous, monsieur Ardès. Vous venez dans mon bureau. C'est à côté. Bonjour, mademoiselle. Venez vous asseoir.
Voilà, n'ayez pas peur, hein? Oh, aussi. Oh, écoutez, je suis pas un ogre quand même, non? Non. Eh bien, alors, vous allez tout me raconter comme si nous nous connaissions depuis longtemps, hein? Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans, eh bien, vous voyez, je pourrais être votre père. Alors, un petit effort. Moi, je suis certain que vous avez des choses à me dire. Je suis tellement désolée pour M. Socrate. Oh, je m'en veux. Bon, allez, allez, alors, allez, comment ça s'est passé? Allez, racontez-moi ça. L'après-midi qui a précédé le vol. Tout de suite après le déjeuner, j'ai profité de ce qui faisait beau pour aller me promener aux Tuileries, en attendant la réouverture du magasin. C'est là qu'il m'a abordé. Qui? Le détective de l'agence Motus. Ah bon, un détective privé. Oui. Il m'a dit que M. Socrate l'envoyait vers moi en grand secret, qu'il était chargé d'une mission très très importante. Ah, et il vous a dit quelle était cette mission? Bien sûr. Alors? M. Socrate l'avait engagé pour faire échec à une bande dangereuse qui devait cambrioler le magasin. Rien que ça? Ben dites donc. Et alors? Alors il m'a dit que le seul moyen d'empêcher le cambriolage, c'était de prendre les bandits en flagrant délit, et qu'il fallait pour cela se faire enfermer dans le magasin sans que personne s'en aperçoive. C'était le plan mis au point par M. Socrate et lui. Je devais simplement lui ouvrir la porte de l'arrière-magasin et il m'a dit qu'il se cacherait dans mon vestiaire. Comment savait-il que vous aviez un vestiaire? Je sais pas. Mais c'est ça qui m'a donné confiance. J'ai cru effectivement que tout était entendu avec M. Socrate. Et vous vous rendez compte maintenant que votre légèreté a permis ce vol? Oh, j'ai honte, monsieur le commissaire. Bah, alors, ne pleurez pas. Allez. C'est pourquoi j'ai rien osé dire à M. Socrate. Oui, mais je crains malheureusement d'être obligé de l'avertir. Oh. Si. Je suis bien contraint de lui révéler comment le voleur a opéré. Oh, je sais bien que je mérite d'être envoyé, ça. Ah, ça, de chez M. Hardès, ça fait aucun doute. Et dites-vous que si nous ne retrouvons pas le ou les coupables, nous pouvons retenir contre vous une charge de complicité involontaire. Et ça va chercher dans les 18 mois. Oh, mais c'est affreux! J'y suis pour rien. Ah, ben ça, prouvez-le. Comment était-il, ce détective? Comment? Oui, enfin, comment était-il? Il ressemblait à quoi? Il était, bon, plutôt petit. Oui. Trapu. Eh ben, voyez, c'est déjà quelque chose. La figure, comment était sa figure? J'ai pas fait attention. Quand il m'a abordé, je marchais, il s'est mis à marcher à mes côtés. Puis j'étais impressionnée, monsieur le commissaire. J'osais pas le dévisager. Pourtant m'a semblé qu'il portait la moustache. C'est tout? Il avait un chapeau. Des lunettes teintées. Une gabardine mastique. Hein, oui, ça. Des chaussures de daim. Ouais. Oui, des chaussures de daim. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, enfin, c'est toujours un signalement. Excusez-moi. Bon. Bon, vous avez fini? À l'instant. Bon, ben, venez me rejoindre avec M. Hardès. M. Hardès? Oui. Entrez, M. Hardès. Très bien. M. Hardès, l'enquête progresse. Ah. Oui, et grâce à la déclaration de votre vendeuse, je suis à même de vous dire comment le vol a été commis. Je vous félicite, commissaire. C'est Mademoiselle Marceline qui a introduit le voleur dans votre magasin et lui a permis de se cacher dans son vestiaire. Comment? Il est facile d'imaginer la suite. C'est vrai, Mademoiselle Marceline? Écoutez, monsieur Hardès, votre vendeuse a été victime de sa bonne foi et de sa candeur. Sachez qu'elle n'est que relativement responsable. À partir de 100 millions de bijoux, je ne suis plus capable de faire une aussi subtile différence. Je vous en prie, monsieur Hardest, nous mettrons tout en œuvre pour retrouver vos bijoux. Mais comment avez-vous pu, mademoiselle Marceline? Il m'a dit qu'il était détective privé, que c'était d'accord avec vous. Mais vous ne m'avez parlé de rien. Il m'a affirmé que c'était inutile et que vous seriez fâché si je vous en parlais, car ça voudrait dire que j'étais incapable de garder un secret. Ah, j'ai rarement vu une pareille... innocence. Oui. Mademoiselle, je vous prierai de revenir demain à la même heure pour essayer de reconnaître votre détective. Hein? Vous allez arrêter quelqu'un, commissaire? Enfin, disons que je vais appréhender certaines personnes. Ah bon? Voilà. Bon, à demain, monsieur Hardès. Alors, à demain. Mais venez, mademoiselle Marceline, passez-moi. Voilà. Mais vous en faites pas trop, allez. Bon, alors, bon. Qu'est-ce que tu en dis? C'est incroyable, commissaire. Si on tient compte des déclarations, il n'y a qu'une personne qui a pu commettre le vol. Voilà.
et c'est Christophe. C'est pourquoi j'ai tenu à voir Maître Vide au banc. Je me doutais du coup. Seulement, il est mort. Ah oui, tout tourne autour de ça. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, mon vieux, on va piquer délicatement Max Lapaluche, Bob le baratineur, Roger la couture et ces dames. On va vérifier les emplois du temps. Et crois-moi, ils auront sans doute des alibis en acier chromé. Ensuite, on fera les présentations à la jeune Marceline. Elle reconnaîtra peut-être son détective. Sinon, sinon on ne trouvera jamais le voleur. Mais pourquoi, commissaire? Parce que si le voleur ne fait pas partie de la bande actuelle de Christophe, comment veux-tu qu'on lui mette la main dessus? Mais Christophe n'a pas fait parler de lui depuis la guerre. Eh oui, il n'a pas fait parler de lui. Eh ben, c'est bien ce qui me chiffonne. On a de la pudeur dans le métier. Hein? Dis-toi bien que ni un tocard, ni un demi-sel n'oserait se servir de la méthode d'un caïd comme Christophe. Oui. On a donc attendu qu'il soit mort. Peut-être. Voilà. Peut-être. Mais ça, nous ne le saurons que demain. Bon, alors occupe-toi de Roger, de Bob et des deux filles. Hein? Moi, je m'occupe de Max. Alors, trouve un motif pour faire fermer les trois boîtes pour 48 heures. Une vérification de stock, une dénonciation anonyme. Quoi, c'est à toi de trouver, c'est pas à moi, ça. Le tout, c'est de les mettre en colère. Peut-être l'un d'eux se trahira-t-il. Alors, tout ce petit monde demain à mon bureau à 9h30. Hein? Allez, bonne soirée. Allez, commissaire. Attendez, moi, je pense à une chose. Quoi? Polo de Bagatelle. Oh, écoute, Polo... Bah, il fait aussi partie de la bande Christophe. Non, mais c'est sans intérêt. Polo est un minable qui est en train de claquer le fric que lui a laissé Christophe. Allez, tu ferais mieux de penser à autre chose. Allez, va, file, allez. Oui. Bon, à demain, commissaire. C'est ça, demain. Voilà. Madame Fiamma Bonatti, mademoiselle Yolande Fourret. Voilà, le commissaire Gracieux voudrait vous poser quelques questions. Inspecteur, cette détention est arbitraire et nous ne parlerons qu'en présence de nos avocats. Oui, certainement. Mais je vous fais remarquer que vous n'êtes pas inculpé, qu'il s'agit simplement d'un interrogatoire librement consenti. Ah ouais, la fermeture des boîtes hier soir, qu'est-ce que c'est? Simple précaution. Et si vous voulez entrer, mesdames? Allez, viens, Fiamma, on n'a rien à se reprocher, pas vrai? Pas pour ça, non? Entrez, mesdames, entrez, prenez place. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame Bonatti, je suis bien embarrassé. C'est pourquoi j'ai fait appel à votre concours. Votre mari possède un casier judiciaire chargé. Très chargé. Or, il se peut qu'il se trouve mêlé à une affaire de cambriolage portant sur une centaine de millions. Mon mari est un homme d'affaires, commissaire. Il a passé l'âge du fric-frac. Oh, madame, à ce niveau-là, ce n'est plus un fric-frac. C'est du grand art. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre soirée de mardi dernier? J'ai tenu compagnie à Yolande jusqu'à la fermeture de Sing Sing. Oh oui, ça c'est vrai, moi... Ça va. Quand je vous questionnerai. Hein? Et votre mari? Bon, il est resté une grande partie de la soirée dans le bureau de Bob avec Roger et Maître Vidauban. Quelques papiers à signer. Bon, alors à votre tour maintenant, vous soutenez les déclarations de Madame Bonatti, Mademoiselle Fourret? Bien sûr, oui. Est-ce que Max, Bob ou Roger auraient pu s'absenter sans que vous le sachiez? Non, il faut passer par le cabaret pour sortir. Oui. Il était à quelle heure quand ils se sont retrouvés tous les trois? Environ 7 heures. Ils se sont fait monter des assiettes anglaises et de la bière vers 8h, 8h30. Bon, merci. Pronte, emmène-les dans ton bureau pour enregistrer les dépositions. Merci, mesdames. Allez, envoie-moi Ardès et sa vendeuse et fais entrer Max. Hein. Bon, tout de suite, commissaire. Par ici, mesdames. Alors, c'est tout. Pourquoi qu'ils nous interrogent pour... Le commissaire vous attend, monsieur Ardès. Et vous aussi, mademoiselle. Max Bonatti. On pourrait peut-être avoir une explication, commissaire. Pas d'impatience, Max, ça vient. Mademoiselle Marceline, je vous demande de regarder attentivement cet homme. Prenez votre temps. Bien, commissaire. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Je l'ai jamais vue, moi. Silence. Alors, mademoiselle. Eh bien, c'est à peu près sa taille. Et puis, il porte la moustache. Et alors, ça tombe pas sous le coup de la loi, ça? Ferme ça, Max. Bien sûr, il n'a pas de chapeau ni de lunettes. Ça pourrait être lui. Et la voix? Je ne me rends pas compte. Bon. Oui.
Appelle-moi Bob et fais sortir M. Bonatti. Commissaire, vous devriez savoir qu'il y a longtemps que je joue plus aux petits soldats, moi. Je dirige les affaires honorablement, hein. Le percepteur vous en sera reconnaissant. Allez, je vous en prie. Allez. Voilà. Robert, doucement. Voilà. Entrez. Entrez. Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là, mademoiselle? Elle a. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? C'est une confrontation, mon vieux. Il me paraît un peu grand. Hein? Mais il porte des lunettes. Puis la voix. Je crois que ça pourrait être, monsieur. Quoi? Non, mais cette fille me connaît, commissaire? Non, mais elle est malade. Non, Bob, elle n'est pas malade. Vous la reconnaissez? Pas de façon formelle, hélas. Bon, pas de commentaire, hein? Bon. Oui? Envoie-moi Roger. Vous pouvez sortir, monsieur. Ah, ouais. Bah, elle est bien bonne, ça. Allez, sortez, allez. Ouais, salut. Roger, bonne main. Oui, c'est moi. Commissaire, Max vient de me dire pour cette confrontation, je vous assure que c'est absurde. Monsieur, absurde. Bonne main, ce sont mes affaires et j'entends les mener à ma guise. Quant aux vôtres, prenez bien garde qu'un jour, nous n'y mettions le nez. Ah, si vous le prenez comme cela. Un chapeau semblable. Quoi? Et lui aussi porte des chaussures dedans. Ah oui, mais ce monsieur porte pas de moustache. Oh, des moustaches, mais elle est folle. Oui, avec des moustaches, il se pourrait que ce soit lui. Oh, mais enfin, mademoiselle Marceline, vous êtes idiote ou quoi? Vous venez pratiquement de reconnaître chacun des trois hommes qui se trouvaient là. Vous n'allez tout de même pas nous dire qu'ils ont passé la nuit tous les trois dans votre vestiaire, enfin... Mais je fais de mon mieux, monsieur Ardèche. Mais j'en suis persuadé, mademoiselle, ne vous effrayez pas. Enfin, je vous demande de nous dire de quoi nous sommes accusés, commissaire. Vous n'êtes pas encore accusé, monsieur Ardèche, ici présent, a été victime d'un cambriolage dont le montant approche les 100 millions de francs. Ancien. Oui, hein. Et alors? Alors, le coup est signé Christophe. Ça vous dit quelque chose? Christophe est mort et enterré depuis 3 semaines, commissaire. Et vous êtes ses héritiers? Alors pourquoi ce coup-là n'aurait-il pas fait partie de l'héritage? Enfin, c'est fou, c'est absolument fou! Ça s'est passé quand, cette affaire? Moi, je ne suis même pas... Ça, je suis sûr que vous le savez. Mais non, je n'ai rien vu dans les journaux, personne n'en a parlé, est-ce que c'est une raison suffisante, ça? Alors, soyez un peu moins bavard, hein? Répondez aux questions, qu'est-ce que vous avez fait mardi soir? Mardi, voyons. Mais j'ai passé la soirée dans le bureau de Max, avec Bob et Maître Vidauban, et puis... Bon, parfait, ça va. Bon, ben alors... Au fait, vous n'avez pas revu Polo depuis le partage? Polo? Oui. Oh, commissaire, je ne m'explique pas ce qui a motivé chez Christophe le désir de voir figurer sur l'héritage pour une somme importante ce minable qui vous sert d'indicateur. Mais dites-vous bien qu'il n'a rien à faire avec les affaires sérieuses dont nous nous occupons, mes associés et moi. À votre ton, vous ne l'aimez pas beaucoup. Oh, ce petit miteux avec ses allures de donjon. Toujours à traîner avec des filles. Oh là là, ouh, oh non, alors je n'ai pas ça dans mes relations. Ouh. Ne vous fâchez pas. C'était une simple question. Bon, alors, monsieur le commissaire, que faisons-nous? Nous allons renvoyer tout ce petit monde et poursuivre l'enquête, monsieur Ardèche. Je sens que je n'ai pas été très utile, monsieur le commissaire. Je suis désolée. Non, ne le soyez pas, mademoiselle. J'ai pour principe de suivre toutes les pistes et je m'en suis toujours très bien trouvé. Bon. Oui, commissaire. Bon, allez, renvoie-moi tout le monde. Venez. Monsieur, bonne main. Oui, commissaire. Venez dire à vos associés d'avoir à se tenir à ma disposition. Je les engage vivement à ne pas essayer de quitter Paris actuellement. Oh, ce serait me faciliter singulièrement la besogne. Soyez tranquille, commissaire. Vous pouvez compter sur nous jusqu'au sport d'hiver. Au revoir, commissaire. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Voilà. Ils sont partis. Bon, alors on arrête qui? Ah, t'es bien pressé, toi. Oui, avouez que vous ne savez pas par quel bout la prendre, cette affaire. Bon, tu as mis dans le mille. J'ai des tas d'idées et pas deux qui se recoupent. Alors ça, bien sûr, l'alibi des trois affreux ne tient que grâce à la déposition de Vidauban. Tu vas filer chez lui et demander confirmation de son emploi du temps. Encore qu'il a reconnu lui-même avoir une entrevue avec la bande. Ouais, mais... Qu'est-ce que vous pensez de la fille qui les reconnaît tous les trois? Bon, alors... j'en pense qu'elle est idiote. Ah bon? Ah, elle est idiote, elle est honnête, non? Bien, moi, je me méfie des témoins qui reconnaissent immédiatement l'inculpé. Ah oui, mais... Nous aurions trois témoins, ça ferait trois signalements différents. Alors, elle s'en tient à ce qu'elle a vu. Compte tenu de son émotion et du fait qu'elle n'a sûrement pas pour habitude de dévisager les hommes qui l'abordent. Oui, mais le signalement ne correspond à aucun et il est la synthèse des trois. Bien observé, Pont. Ah non, je pourrais prendre ma retraite sans peur, tu fais des progrès.
Ben, vous n'avez pas répondu à cette observation, commissaire. Non, je n'ai pas répondu. Je vais te dire pourquoi, parce que je n'ai rien trouvé à répondre. Bon. Bon, j'ai terminé le rapport de la déposition Vidauban. Vous voulez jeter un coup d'œil? Bon, pourquoi pas. T'as pu relire ta sténo? Oh, ça, depuis le temps que je la pratique. Interrogatoire Vidauban. À monsieur Paul Montoubert, la somme de 100 000 francs représentant le solde de mon compte à la banque Schwartz, rue Puy-les-Villes, pour service rendu, post-hoc ergo pop-teroc, j'ai recueilli les signatures. Tiens, j'ai trouvé la citation dans les pages roses, commissaire. J'ai noté en marge ce que ça voulait dire. À la suite de ça, donc à cause de cela. Formule par laquelle on désignait dans la scolastique... Oui, c'est-à-dire ce qu'on enseignait dans les écoles. Oui, merci, Pont. L'erreur qui consiste à prendre pour cause ce qui n'est qu'un antécédent dans le temps. Oh, mais bien sûr, mais je ne suis qu'un âne, moi. Vous plaisantez, commissaire. Mais non, mais je ne suis qu'un âne. Oh, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas continué mes études de latin? C'est la plus belle des langues, bon. Oh, c'est une langue morte. Non, une langue immortelle. Et cette petite locution anodine vient de donner la clé de cette histoire. Là, vous avez trouvé? Ah, tout! Tout, mais je ne suis pas plus avancé. Hein. Il va falloir jouer serré. Bon, on arrête qui? Hein, vous avez reconnu tout à l'heure que nous n'avions pas de coupable. Oh que si, nous avons un coupable. Mais qui? Qui? Mais Christophe, mon vieux. Ça saute aux yeux. Christophe? Mais oui, Christophe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Hein? Eh ben, va me chercher Polo. Polo de Bagatelle? Ah oui, Polo de Bagatelle. Moi, je connais que celui-là. C'est lui? Mieux que ça. Allez, file me chercher et convoque Max, Bob et Roger pour demain matin à la première heure. Oui. Et inutile d'aller chez Vidauban, hein? Et pour Ardès, qu'est-ce qu'on fait? Il serait pas de connivence avec la bande? Un grec? Il est bien trop fort pour eux. Et en plus, il est honnête. Allez, saute, allez. Oui. Je vous amène Polo, commissaire. On a été le cueillir au champ de course, il était avec une blonde incendiaire. Ah. Alors, si vous aviez envie d'interrompre mes vacances, commissaire, vous auriez pu m'appeler. Vous savez bien que je suis toujours prêt à vous rendre service. Alors, c'est très désagréable d'être piqué sur un champ de course. Fais ça discrètement, Pon. Ah, toujours le doigté, commissaire. Oh, bah alors. Allons. Polo, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Ah oui? Eh oui. La bijouterie Ardès a été cambriolée. J'étais à Maison Lafitte. Oui, mais pas aujourd'hui, Polo, pas aujourd'hui. Ah bon? Non, il y a 4 jours. Et alors? Alors, ça te dit rien? Ben non, j'ai rien à voir là-dedans. Ah oui, mais je voudrais bien te croire, mais c'est plus compliqué que ça, hein. Commissaire, expliquez-vous, moi... Eh ben voilà, mon petit vieux, le cambriolage s'est déroulé selon une méthode chère à notre ami Feu Christophe. Une méthode? Un gars se fait passer pour détective privé, il embobine une vendeuse et se fait enfermer dans le magasin sous prétexte d'exercer une surveillance discrète et de tous les instants. Le magasin fermé, il a tout son temps pour s'emparer de la camelote et se tirer le coup fait. Ah hein? C'était pas de ça. Ah, je dois reconnaître que c'est ingénieux. Hein? Oui, c'est ingénieux. Mais alors, où c'est encore plus ingénieux? C'est que le gars qui a fait le coup a brouillé les cartes. Voilà, tu vas comprendre. Oui. Il a fait un numéro à transformation, si bien que le signalement que nous a donné la vendeuse correspond à celui de Max la Paluche, de Bob le baratineur et de Roger la Couture. Ah, dites donc. Oui, alors dites donc, tu commences à me suivre? Je crois, oui. Ah, tu crois, oui. Eh bien, les 3 héritiers de la bande Christophe ont un alibi sur mesure et certifié par notaire. Conclusion? Alors, conclusion. Tu la tires de toi-même, mon vieux, reste-toi, Polo. Quoi? Mais c'est ridicule! Eh oui, c'est ridicule, mais c'est bien pourquoi ça a failli réussir. Oh, commissaire, quoi, c'est pas sérieux. C'est tout ce qu'il y a de sérieux. À tel point que si tu collabores avec nous, je m'arrangerai pour que tu n'y laisses pas trop de plumes. Je reconnais que Max, Bob et Roger constituent un gibier plus intéressant. Le commissaire, mais je n'ai pas revu un seul gars de la bande depuis l'héritage. J'en ai rien à faire, moi, de leur salade. J'ai touché 10 briques de bon argent et je prends des vacances. D'ailleurs, vous pouvez rien prouver contre moi, je sais même pas où elle est, cette bijouterie. J'aimerais bien que tu cesses de faire le mariole, Polo, hein. Mais non, mais... Je suis bien disposé à ton égard, mais n'en abuse pas. Commissaire, mais je vous assure que je... Tu m'assures en rien du tout. Comme tu voudras. Polo, écoute-moi, tu es mal parti. Mais... Allez, prends. Oui. Tu peux commencer l'interrogatoire, hein. Quoi? Je viendrai te relayer après le dîner. Mais non, mais commissaire... Mais non, mais écoutez-moi, commissaire, c'est...
Ah, oh, ça alors. La ferme. Alors, tournons. Oh. Montouret. Prénom. Paul. Quel âge? Oh. 31 ans. Profession. Figurant. Quoi? Figurant au cinéma. Artiste de complément. C'est marqué comme ça sur ma carte. Alors voilà. Adresse. 4 Place des Abbesses. Où étais-tu mardi dernier? Quand? Mardi soir. Mardi soir? Ah, avec une fille. Quelle fille? Irène. Irène comment? Oh, ça alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? On est allé dîner. Où? Rue des Trois Frères. Après? Je l'ai invité au Mikado. Ensuite? Rien. On est allé boire un verre à la roulotte. Ensuite? On est monté chez moi. Comment s'appelle la vendeuse de chez Ardès? Qui? Bon, ça va. T'es resté jusqu'à quelle heure avec la fille? Bah, 3 heures. Peut-être même 4. Alors, c'est 3 ou 4? Je ne sais pas. Je sais pas, je vous dis que j'ai rien à voir avec ce cambriolage, moi, alors, le bon Dieu. Tais-toi! Bon, on recommence. Mardi après-midi, qu'est-ce que t'as fait? Je suis resté chez moi. Et mercredi? Mercredi. Oui, qu'est-ce que t'as fait mercredi? Quoi? Lendemain du vol. Oh, je me suis levé tard, j'étais fatigué. Passons. J'ai déjeuné. Après? Ah, je suis allé à Pantin. Quoi faire? Porter des fleurs au mausolée de Christophe. Quand es-tu allé aux Tuileries pour la dernière fois? Mais je sais pas. Cherche. Mais je sais pas, moi, comment est-ce que les Tuileries? Je sais pas, moi. Je ne sais pas. Quand es-tu allé aux Tuileries pour la dernière fois? Mais écoute, je dis que je ne sais pas, moi. Cherche. Mais les Tuileries. Je dis que je ne sais pas. Quand je suis allé aux Tuileries. Les Tuileries. C'est ça, je vais savoir. Je ne sais pas. Cherche. Les Tuileries. Et puis je vous dis que je ne sais pas, je ne peux pas chercher quand on ne sait pas. Cherche. Et puis je vous dis que je ne sais pas, je ne peux pas chercher quand on ne sait pas. Cherche. Et puis je vous dis que je ne sais pas. Bon. On prend tout à zéro. Mais je suis crevé, inspecteur. Me penses-tu? On fait commencer. Mais... Ton nom? Mais je vous l'ai dit. Répète. Montouret. Adresse? 4 Place des Abbesses. Où étais-tu mardi dernier? Quand? Mardi soir. Avec une fille. Quelle fille? Anna. Tu m'as dit Irène. Ah? Ah ben je sais plus, moi je suis fatigué. Mais non, mais non, mais non. Mais si. Il n'y a 4 heures que nous bavardons. Le commissaire va bientôt revenir, il prendra ma place, ça sera moins gai. Mais... Alors à vous, Polo. Mais enfin, toute la combine est par terre. Je sais même pas de quoi vous parlez, alors. Bonsoir, Pron. Bonsoir, commissaire. Alors, Polo, tu retrouves la mémoire? Hein? Ah, commissaire, mais j'en peux plus, commissaire, arrêtez. Mais t'as rien dit? Non, pas grand-chose, il s'est coupé une ou deux fois. Ah, mercredi, il prétend avoir été porter des fleurs au mausolée de Christophe. Un peu plus, moi. Des fleurs? Hein? Des fleurs. C'est intéressant, ça, dis donc. J'ai soif. Polo. Oui? Pour la dernière fois, veux-tu te mettre à table de bonne grâce? Oh, mais je l'ai quand même pas avoué pour vous faire plaisir. Petite, si tu comprends pas que c'est pour t'éviter le maximum. Mais je suis désolé, commissaire, mais puisque... Bon, puisque tu le prends comme ça... Formidable quand on sait rien. Voulez-vous entrer, mademoiselle Marceline? Bien sûr. Bon, maintenant, regardez bien l'homme qui est assis en face de mon bureau. Prenez votre temps. Je le regarde, monsieur le commissaire. Je le regarde, mais je le reconnais pas. Ah. Je suis tellement ennuyée de ne pas pouvoir vous aider. Non, 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 non. Tout est bien comme ça. Monsieur Ardès. Oui, voilà. Si vous voulez entrer, s'il vous plaît. Oui. Dans la porte. Voulez-vous regarder attentivement cet homme? Son visage me dit quelque chose. Je suis certain de l'avoir déjà vu. Rassemblez vos souvenirs. Oui, oui, oui. Mais comment? Mais j'ai jamais vu ce monsieur. Alors, tais-toi, Polo, tais-toi, hein? Oh. Alors maintenant, j'ai fini d'être compréhensif. Attendez, ça y est, cet homme s'est présenté au magasin il y a un mois. Quoi? Taisez-vous, il portait l'uniforme des employés de l'EDF. Oui, il est venu vérifier le bon fonctionnement de mon système de sécurité. J'en suis sûr, c'est lui. Mais comment,
Mais vous n'allez pas croire des bêtises pareilles, commissaire Mais si, mais si, Polo, mais si, prends. Oui. Prends, mets-lui ton chapeau et passe-lui ton imperméable. Voilà. Mais non, non, tiens, Polo, mets-moi ces lunettes. Mets-moi ces lunettes. Si tu continues à m'échauffer les oreilles, tu vas te retrouver au dépôt avec un régime de faveur. Compte sur moi. Oh, bon, alors je les mets, voilà. C'est lui. Quoi? Avec le chapeau et les lunettes, c'est lui. C'est sa coiffure qui me gênait pour faire le rapprochement. Mais j'en suis sûr. Et remarquez que l'imperméable, un peu long, raccourcit sa taille. Alors, tu continues à nier, Polo? Mais qu'est-ce que c'est? N'oublie pas que tu as déjà deux dépositions contre toi et ton alibi de mardi soir ne tient pas. Mais mardi soir, j'étais avec une fille. Irène ou Anna? Oh, je sais plus, moi, je sais pas. Ah, bon, parce que tu crois encore sérieusement que Max, Bob et Roger m'ont pas laissé tomber? Hein, dis. Mais t'es vraiment un môme, Polo. Tu fais pas le poids. T'as jamais fait le poids. La bande te considère comme un minable, tout juste bon à faire les courses. Quoi? Et c'est eux que tu veux protéger, imbécile? Mais tu vas en prendre pour 5 ans, pauvre cloche. Mais... Oh, puis j'en ai marre, moi, j'en ai marre. Alors voilà, j'avoue. Voilà, allez, prends un autre pont. Ouais. Allez, nous t'écoutons. Vas-y, mon vieux. Eh ben, tout a commencé il y a un peu plus d'un mois. Je faisais les courses pour Christophe, et un jour, son toubib, il lui a dit que c'était le bout du rouleau, quoi. Le vieux, il a pas bronché. C'était vraiment quelqu'un, le vieux. Alors, il m'a fait venir au pied de son lit, et puis là, il m'a dit... Petit... Il m'appelait Petit. Oui, ben, continue, allez, vas-y. Il m'a dit, Petit, je t'aime bien, t'as pas beaucoup d'envergure, mais t'es sérieux, et je veux te mettre le pied à l'étrier, parce qu'il m'aimait bien, lui, le vieux. Ah ben, il me dit, il y a un os, je ne suis plus seul, il y a Max, il y a Bob, il y a Roger. Moi, qui me dis le vieux, j'en ai tout en plus pour quelques semaines. Et ce sont eux qui font marcher mes affaires après ma mort. Et ils ne t'aiment pas. Ça, c'est vrai, ils ne m'aiment pas, les trois. Mais Angèle, continue, allez. Alors, il lui dit, mais j'ai arrangé un coup pour qu'ils t'acceptent. Je leur en ai parlé, ils sont d'accord. Si le coup réussit, tu auras le droit de t'asseoir à côté d'eux. Pour le coup, lui-même, ils te serviront d'alibi, parce que tu vas leur ressembler. Mais toi, t'auras pas besoin d'alibi. Alors, qui me dit le vieux, tu comprends, tu seras quelqu'un. Alors, c'est comme ça que je me suis présenté chez Ardès pour vérifier le système de sécurité. Comprenez, commissaire? Alors, j'ai vérifié également la marque des coffres pour la communiquer à Christophe, qui était un spécialiste. Et il était convenu d'attendre la mort du chef pour faire le coup. Histoire d'égarer les soupçons, quoi. Et mardi dernier? Ah ben, je me suis fait poser une moustache comme celle de Max. J'ai pris des lunettes teintées, la gabardine et les chaussures de daim. Et j'ai abordé la vendeuse de Chardès dont j'avais étudié les habitudes pendant une semaine. Et le soir... Le soir, je sortais et je dépensais plein de fric pour détourner les soupçons. Eh ben, je reconnais là le génie de Christophe. Parfait. Formidable, vieux. Parfait. Mais alors maintenant, Polo, c'est une simple formalité, hein? Oui, commissaire. Alors, où sont les bijoux? Quoi? Ah non, mais alors vous plaisantez! Pas le moins du monde. D'accord, commissaire, vous êtes un fortiche. Mais je vais en prendre pour 5 ans. Et j'ai 31 piges, donc j'en sortirai vers 36 en mettant les choses au pire. Alors, vous croyez tout de même pas que je vais vous dire où sont partis les bijoux? À 36 ans, moi, j'aurai un gros paquet devant moi et je pourrais me retirer sur la côte. Oh, bougre de petit salope. Ah, mais chez moi, on est comme ça, quoi. Mais regardez Ardès. Même lui, il s'en tape. Il a l'assurance, alors. Non, monsieur, je ne m'en tape pas, comme vous dites vulgairement. Alors, bah, de toute façon, j'ai plus rien à dire. Alors, faites ce que vous voulez. Ouais, c'est bon, signe ta déposition. Où ça? Là. Ouais. Bon, allez, prends, emmène-le. Hein? Et fais-le conduire par un gardien jusqu'au dépôt. Pas trop tôt. Hey, Phil! Par la porte, quand même. Bon, monsieur Ardès, l'enquête est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Terminée. Voilà, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, commissaire. Mais c'est très gentil, mais les bijoux, commissaire... Ils seront retrouvés demain, ça, je m'y engage. Ah, bonsoir, commissaire. Et merci. Je vous en prie. Merci infiniment. Bonsoir, mademoiselle Marceline. Bonsoir, commissaire. Ah, bon. Dans l'avenir, écoutez-moi, allez voir. N'ayez pas peur de regarder les hommes en face, hein? D'abord, ça vous permettra de savoir à qui vous avez affaire. Et puis ensuite, ça, c'est pas à moi de vous l'apprendre.
Merci encore, commissaire. Ouais, je vous en prie. Passez, cher petit Marceline. Ah, ça y est. Polo est en route. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres? Les mandats d'amener seront prêts dans une heure. On arrête Max, Bob et Roger et on laisse la paix aux filles. On peut rien lever contre elles. Et puis, elles leur enverront des oranges à la santé. Hein. Et pour les bijoux? Oh, ça, les bijoux, on finira bien par les retrouver. Ah, dis donc, demain, tu seras gentil d'aller déposer en mon nom un bouquet de fleurs au mausolée de Christophe. Hein? Je lui dois bien ça. Ah bon? Et il faut mettre une inscription? Oh non. Ça, c'est inutile. Ah, qu'est-ce que je mets comme fleurs? Des immortels. Et par la même occasion, rapporte-moi les bijoux qui sont cachés dans le mausolée. Hein? Mais... comment? Pourquoi crois-tu que Polo soit allé déposer une gerbe mercredi après-midi? Hein? Oh. Allez, bonsoir, prends.